Allô? Tu peux venir s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Quoi, là maintenant, tout de suite? Il arrive quelque chose à Héloïse. Mais tu te fiches de moi? Tu me fais venir à 7h du matin pour t'aider à travailler, à tenir les pieds? Mais c'est quoi cette lubie? C'est le printemps, c'est ça? Les abeilles viennent butiner les fleurs et tu prépares ton choix de coquelicot? Honnêtement, Alicia, comment tu me trouves? Mais comment ça? Maigre, grosse. Bon, on peut pas dire que tu sois maigre, on peut pas dire que tu sois grosse non plus, enfin. Non, mais arrête, depuis que je suis en thèse, j'ai pris 10 kilos. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien ta thèse? Tu t'es vu plaquer par ton mec? Non, ça va. En fait, je me suis conditionnée à la nourriture. Conditionnée à la nourriture? Genre, tu t'es pris pour le chien de Pavlov? Non, je te parle pas de conditionnement pavlovien. Je te parle de conditionnement instrumental. Le conditionnement pavlovien, c'est quand t'associes une émotion à un signal, comme une image, un son, une odeur. Pavlov, c'était un scientifique qui avait l'habitude de toujours nourrir ses chiens à midi. Donc ces animaux avaient associé la cloche de midi à de la nourriture. Mais toi, tu me parles de conditionnement instru-bancal, là. Instrumental. Ah, mental, c'est psychologique. Le conditionnement instrumental, c'est le fait d'associer une émotion avec une action. Par exemple, moi, en thèse, j'ai pris l'habitude de goûter à chaque fois que j'avais bien travaillé. Donc maintenant, quand je travaille, je pense à de la nourriture, tout le temps. Bon allez, je m'y remets, hein. Tiens, ça me fait penser à mes insomnies. On me dit d'aller dans mon lit seulement le soir quand j'ai envie de dormir. Et jamais la journée quand j'ai faim ou j'ai envie de regarder la télé. En fait, c'est une histoire de conditionnement, c'est le fait d'associer mon lit au fait de dormir. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, il y en a partout du conditionnement. Bon, moi j'ai bien bossé, hein. Ça. Tu fais un à deux, tu bouffes trois biscuits, t'es complètement drogué. Pas drogué, conditionné. J'ai besoin d'un petit récompense, moi, comme tout le monde. Alors, si je ne m'abuse, moi, j'ai lu que le sucre et la drogue s'activent les mêmes aires dans le cerveau. Alors, drogué, conditionné, c'est pareil. Hein. C'est vrai que la nourriture comme la drogue passent toutes les deux par le système de la récompense. Mais chez les drogués, ce système s'emballe, il se contrôle plus. Alors que moi, je gère, hein. Oh, bah ça se voit. Et t'as pensé à la thérapie, sinon? Mais non, faut juste faire un peu de sport. Allez, viens, on va courir. Non, mais va courir avec tes rats de laboratoire. Moi, j'ai déjà fouetté. Mais alors, elle, la thèse, ça l'a pas arrangée. Mais alors, moi, le conditionnement pavlovien et instrumental, j'ai tout compris. Et toi ?